tu t'énerves, tu dis « A'oudhu billahi minash shaitani rajim ». Si ça ne suffit pas, tu t'assois par terre ou tu t'allonges. Si ça ne suffit pas, tu ne parles pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih, il a dit « Si tu es fâché, ne parle pas ». C'est pas la peine de parler parce que tu vas dire des bêtises. Abu Dhar, une personne lui a dit quelque chose qui l'a fâché, il s'est allongé par terre. Lui ont dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Quand on est énervé, allongez-vous ». Tu m'as énervé, alors je me suis allongé. Donc regardez les sahaba comment ils pratiquaient les ordres du prophète alayhi sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comme warda fil hadith sahih, si tu es fâché, tais-toi, ne parle pas. Plus tard, si on n'arrive pas à régler ce problème maintenant, on va le régler plus tard. C'est pas grave, on laisse passer. Quand tout le monde sera plus calme, plus tranquille, tout le monde sera plus disposé à écouter l'autre et à discuter, on en reparle.